Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va tout de suite revoir le but d'Alexandre Texier. Cette nuit, il a marqué son deuxième but de la saison. Il faut dire qu'en ce moment, pour Texier, c'est un peu plus difficile. Donc, c'est vraiment un but qui est très important, vu qu'il joue de moins en moins. Par exemple, cette nuit, il n'a joué que 7 minutes 52. Il joue sur une sorte de quatrième trio avec l'autre rookie, Bengtström. Et là, il était couplé avec Riley Nash. Columbus qui s'est imposé cette nuit. 4 à 3, ça c'est en overtime, c'est Cam Atkinson qui a marqué le but de la victoire. Columbus qui est au milieu du classement de la division métropolitaine avec 5 victoires et 5 défaites, dont 2 après le temps réglementaire. Mais on va tout de suite voir le but d'Alexandre Texier. Stall, Jackets block it, and it's a 4-on-1. Across the line, Bemstrom looks, scores! Texier taking a perfect feed! Starts in the defensive zone for the Blue Jackets, and two rookies on the wings of the veteran Riley Nash. His play is going to develop, and as it jumps to the middle, Zach Werenski jumps with them, and Bemstrom, who's a shooter, elects to pass, and that's the right play. Right over to Texier. You can see Werenski's there, but the key to that is the middle lane drive that pushes the defenseman back. And Texier, you can see towards who? Tex?